Auria, comme d'habitude, la grande vadrouille, donc encore un nouveau décor. Si toi aussi t'en as marre qu'à chaque vidéo c'est un endroit différent, check, parce que même moi j'en peux plus. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très très bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que vous aviez jamais fait je crois. En parlant de maquillage et de beauté pendant 8 ans sur ma chaîne, comment ça se fait que j'ai jamais fait cette vidéo? Mais on est où là en fait? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo 10 produits grande surface que vous devez absolument avoir. À part un seul produit make-up, tous les autres produits sont à moins de 10€ et je me suis dit que c'était complètement con de pas vous parler de ces produits que j'utilise au quotidien, qui sont petit budget et qui marchent du feu de Dieu. Du feu de Dieu, on est encore sur de l'expression des années 1800 même là. Hein. Si vous êtes content de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, de passer ce moment avec moi en ce dimanche matin, d'ailleurs bon café si tu prends ton café. Tu crois que je sais pas que tu prends ton petit déj devant ma vidéo? Eh, je te vois. Et ben n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Je vous le dis, les gens abonnés à la chaîne Auria sont plus heureux que la moyenne. Si c'est prouvé scientifiquement, c'est la science du bled, mais c'est la science. Et d'ores et déjà, je vous le dis, si vous kiffez cette vidéo, qu'on explose le compteur des likes, je vous ferai direct une version numéro 2. Il faut savoir que moi, tu me laisses dans le rayon beauté à Carrefour, Intermarché, Leclerc, tu me poses là, tu me laisses là, je suis occupée pendant au moins 2 heures, hein. Je lis tout, je regarde tout, vraiment j'adore. Le premier produit que vous devez absolument acheter en grande surface quand vous allez faire vos courses, c'est l'eau de bleuet. Donc celle-ci, c'est l'eau florale de bleuet de Christian Lénard et la bouteille ressemble à ça, apaise et rafraîchit pour tout type de peau. Et en gros, ça c'est quelque chose que j'utilisais énormément avant et puis après j'ai switché sur d'autres produits et là j'avais plus vraiment de lotion apaisante, ni une petite lotion, tu sais, pour te rafraîchir un petit peu juste avant de mettre ta crème, tout ça. Surtout que, parlons-en, ma peau n'a jamais été aussi catastrophique que maintenant. Alors là, la lumière, la caméra arrange un peu. Mais je peux t'assurer que de près, dans la vraie vie, démaquillée, on dirait vraiment que j'ai une peau acnéique. Et ça, c'est énormément dû au port du masque. Je ne m'en plains pas, on sauve des vies, on se sauve nous-mêmes, donc portez votre masque. Mais par contre, c'est vrai qu'en dessous, je n'ai jamais eu autant de points noirs et de boutons. Donc j'essaye de faire en sorte de prendre soin de ma peau au maximum. Et je me suis retournée vers les produits qui fonctionnaient pour moi à l'époque, surtout à l'époque de l'adolescence, tout ça. J'utilisais énormément d'eau de rose, mais aussi l'eau de bleuet, c'est très très bon pour tout ce qui est poche et cerne. Moi je le mets sur un coton réutilisable et ensuite j'applique sur mes poches, mes cernes, tout ça. Ça a un côté hyper frais et on a l'impression que ça décongestionne un petit peu tout ce qui est poche, gonflement. En plus de ça, c'est adapté aux peaux sensibles, enfin vraiment ça fait du bien et moi j'utilise du coup après avoir nettoyé ma peau. C'est un sentiment personnel que j'ai, mais j'ai l'impression que vraiment ma peau elle est un petit peu plus nettoyée. Et ça les gars, je l'ai payé 4,26€ pour quand même 200ml. Et comme vous pouvez le voir là, ça fait déjà quelques jours que je l'utilise, le truc il est encore à fond. Je précise que la bouteille est encore à fond parce que je l'ai acheté il y a quelques jours, mais c'est un truc que j'utilisais déjà il y a des années, etc. Donc c'est pour ça que je me permets de le mettre dans la vidéo. Le deuxième produit grande surface que vous devez absolument avoir et qui m'a coûté seulement 2,11€, c'est ce petit baume à lèvres beurre de karité de chez Le Petit Olivier. Ce petit baume à lèvres, il est incroyable. Et il est au beurre de karité, donc déjà si vous aimez cette odeur, c'est difficile de pas passer sa vie comme ça. Voilà, moi j'aimerais rester comme ça tout le temps. Ça sent trop bon, t'as envie de te bouffer les lèvres après, vraiment. Ça a une odeur sucrée, réconfortante comme on aime. Surtout qu'on arrive en automne. Et il est super bien parce que quand tu l'appliques, il fait pas un effet gloss, parce que pour le coup c'est vraiment léger, on a l'impression limite de rien s'appliquer et pourtant il hydrate hyper bien, il repulpe les lèvres et vraiment j'ai l'impression qu'il hydrate mes lèvres en profondeur. Encore une fois, je pense que c'est à cause du port du masque, mais en ce moment mes lèvres c'est une catastrophe, j'ai les lèvres hyper sèches, hyper gercées, enfin vraiment je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans tout le bas de mon visage. Et après la zizette elle a compris que c'était le masque. Mais voilà, beurre de karité 2,11€, trouvable en grande surface, qui repulpe, qui hydrate, qui fait plaisir au moral en plus. Que demande le peuple? Je ne sais pas. Un petit peu de make-up et c'est les seuls produits make-up dont je parlerai dans cette vidéo. Il s'agit des liners L'Oréal Paris. Sachez d'ailleurs que cette vidéo est en collaboration et sponsorisée par L'Oréal Paris. Ça, je vous en parle depuis sa sortie. Il me semble qu'au lycée, je vous en parlais déjà. C'était pas lycée, c'était pendant mon BTS esthétique cosmétique. En tout cas, je me souviens d'une vidéo tuto eyeliner où je vous en parlais déjà. Et je profite de ce petit passage de la vidéo pour vous annoncer officiellement... Oh, que je suis une ambassadrice, voilà, L'Oréal Paris, que je vais travailler avec eux tout au long de l'année. Je suis super émue et super fière. C'est une marque, vous savez, que je porte dans mon cœur vraiment depuis mon plus jeune âge. J'adore leurs produits, je les utilise au quotidien, que ce soit pour le make-up, pour le soin de la peau, des cheveux, du corps. Et là, on s'est dit, écoutez, les amis, ça fait 1000 ans qu'on travaille ensemble, on s'adore, parce qu'il faut savoir que les équipes L'Oréal, c'est le sang de la veine, hein. Vraiment, moi, je les adore. Et on s'est dit, bon, bah, il est peut-être temps de faire une collaboration à l'année, en fait. Ça me rend extrêmement fière qu'ils me fassent confiance et qu'ils vous fassent confiance aussi.
J'essaye toujours de faire des partenariats qui plairont autant à moi parce que je suis la première concernée, mais aussi aux marques et aussi à vous, qu'on puisse tout au long de l'année vous proposer des concours, des bons plans, des produits qui fonctionnent vraiment, des astuces, etc. Et c'est vraiment ce genre de relation là qu'on construit avec L'Oréal Paris depuis des années, donc je suis trop fière et voilà, je voulais juste vous l'annoncer officiellement. En tout cas, j'en profite juste pour vous remercier. C'est genre à 99% grâce à vous que je peux réaliser ce genre de rêve. Et un jour, les gars, je vous le dis, un jour, on y sera au truc de l'égérie, la télépub à la télé et tout. Watch me du vent dans les cheveux. On sait pas dans 10 ans, hein. On sait pas de quoi la vie est faite. Rêvons grand. Honnêtement, je savais pas vraiment les départager, c'est pour ça qu'il y en a 3. Le premier, c'est l'eyeliner crayon qui existe en 9 teintes et moi, je l'ai choisi en teinte marron. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir en image. J'adore en fait l'utiliser, celui-là, pour me faire un ras de cils un petit peu fondu, un petit peu fumé. J'aime beaucoup l'eyeliner, mais vous savez que tout cet été, je me suis pas fait un seul trait de liner. Je vais pas vous mentir, de toute façon, vous voyez très bien. Sauf que là, on commence à rentrer automne, hiver, tout ça. Et c'est vrai que quand il fait plus froid, je sais pas pourquoi, dites-moi si vous aussi, quand il fait plus froid, et ben j'adore beaucoup plus me maquiller et me faire des trucs un petit peu plus chargés au niveau des yeux. Et ça, pour l'automne, les gars, ce crayon, il vous le faut. Hein. Non, mais s'il te plaît, tu te fais un trait, le truc, il est hyper intense, c'est super crémeux, super agréable à utiliser. Vraiment, t'as pas besoin de t'arracher l'œil pour te faire un trait, et ça, c'est pas mal. Et surtout, c'est sans transfert et ça tient 24 heures, et pour le coup, il tient vraiment très très bien. Je le mets en ras de cils supérieur. Après, je viens travailler la matière et l'étirer vraiment vers l'extérieur avec un petit pinceau, et ça me fait ce petit regard de biche, vraiment trop automnal. J'adore, je trouve ça trop beau. Le deuxième, c'est l'eyeliner feutre Perfect Sim. Ça, franchement, c'est l'un vraiment de mes produits préférés chez L'Oréal, je l'aime trop. Il est hyper facile à utiliser pour le coup, ça faisait longtemps moi que je m'étais pas fait de trait liner. Je l'ai fait face caméra avec un miroir dans une main comme ça, donc ça veut dire juste à une main j'ai réussi. Si moi j'ai réussi, vous pouvez y arriver aussi, je vous le promets. En fait j'adore ce feutre parce que vraiment tu peux autant te faire des traits épais comme des traits super fins. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Je ne sais pas, il est si fin ce truc. Ça reste quand même ultra précis et je pense que vous allez voir de quoi je veux parler. Mais il y a des eyeliner feutres, ils sont tellement fins qu'en fait il faut trembler la paupière et en fait quand tu l'appliques, tu sais, ça te fait des espèces de vagues. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler ou pas? Ou c'est que ma paupière tombante qui fait ça? En tout cas avec celui-ci ça le fait pas, il tient plus de 8 heures. Le noir est hyper intense, ça fait un petit regard de biche. Et au niveau des experts du make-up, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent, moi je me considère pas vraiment comme experte, hein. Enfin c'est-à-dire, ça dépend des moods. Mais au quotidien c'est vrai que j'aime ce qui est facile. Et pour le coup, même si quand on le voit comme ça on se dit oulala c'est dur à utiliser, pas du tout. Parce qu'encore une fois, si moi j'ai réussi, tu peux y arriver aussi. Non mais ce bleu, vous savez très bien, ce genre de bleu c'est vraiment la couleur pour moi qui va le mieux aux yeux marrons. Enfin je pense que vous pouvez le voir, ça fait ressortir l'iris mais c'est un truc de fou. Celui-ci il est ultra mat, il tient super bien, il est waterproof, donc comme ça si tu chiales à cause de ton crush ou que sais-je, comme les personnes dans ma vidéo vos histoires désastreuses numéro 3 que j'ai sorti jeudi, ben ça coule pas et ça c'est pas mal. Oh là là, ça quel bonheur, ils ont fait, vous voyez, un manche assez épais et c'est pas mal quand même pour la prise en main parce que les trucs tout fins là où tu es là tu dis oh là là ça part dans tous les sens, comment faire? Ben là c'est pas le cas, c'est hyper intuitif, t'as juste à poser, schlac, tu le fais. J'aime bien faire un trait comme ça bleu de temps en temps juste au-dessus du trait de liner noir, je trouve que ça donne un côté un petit peu graphique, donc dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime trop. Pareil, trouvable en grande surface, il existe en 5 teintes, faites-moi confiance, vous viendrez m'en dire des nouvelles. Le prochain produit, mais vous n'êtes tellement pas ready, on ne m'a fait que des bons retours grâce à ce produit. Le prochain produit m'a coûté 2,26€. Alors j'aimerais comprendre comment ils font pour que ce soit aussi peu cher. En gros c'est un gel douche de 250ml de la marque L'Arbre Vert Bien-être et j'adore cette marque. Donc ce gel douche il a 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est hypoallergénique, pH neutre, fabriqué à Saint-Benoît dans notre usine engagée pour l'environnement, fabriqué en France. C'est une crème de douche rafraîchissante aux extraits d'eau de coco. Ça n'est pas hygiénique et pas recommandé du tout d'aller dans les grandes surfaces, d'ouvrir et de sentir comme ça. Donc je vous conseille pas de le faire. Mais je pense que pour 2,26€, vous pouvez tenter l'expérience de l'acheter même sans le sentir. Cette odeur, mais vous n'êtes pas prêt. Mais vous n'êtes pas prêt. À chaque fois que je sors de la douche, on me dit oh my god, ça sent si bon. Et je suis genre là, yes, c'est ça. Souvent, ce genre de produit, on se dit oulala, ça va sentir les orties, nanani, nanana. Pas du tout. Si vous êtes fan de noix de coco, non mais vous n'êtes. Non mais je vous jure, j'ai jamais senti un truc pareil. Il lave, il mousse super bien et il le fait. Une peau mais douce, mais douce. Tu le vois comme ma peau elle est douce. Non mais vraiment c'est abusé. J'ai un énorme coup de cœur pour ce gel douche et je pense que désormais je n'achèterai plus que. Le prochain produit il m'a coûté 7€. C'est un gant exfoliation intense. Niveau d'exfoliation il est vraiment genre au plus plus. En fibre antibactérienne, ce gant exfolie la peau en profondeur, la raffermit et aide à lutter contre la cellulite. Ah, j'ai ma jambe endormie. Ma team YouTube, aidez-moi, ma jambe endormie. Oh non, je déteste ça, j'ai peur. Ça fait mal. Oh my god. Oh my god. Désolée pour cette petite interruption, mais vraiment, ça m'angoisse d'avoir la jambe endormie, c'est horrible.
si vous vous épilez, si vous vous rasez, même si de temps en temps vous avez des poils incarnés, si vous vous appliquez d'auto-bronzant comme moi, tout ça, il vous faut ce genre de gant et ça m'a seulement coûté 7€. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un gant vraiment qui est tout rêche comme ça. Et en fait, je l'utilise sous la douche avec mon super gel douche à noix de coco. Et ça va vraiment enlever toutes les petites peaux mortes de votre peau, même celles que vous voyez pas forcément. Ça évite quand même beaucoup plus les poils incarnés. J'adore ce genre de gant et en fait, j'étais dégoûtée parce que tous les miens ils sont dans mes cartons, dans mes box. Et à un moment donné, je me suis dit, mais putain, ça me manque. Donc bon, pour 7€, il était peut-être temps d'en racheter un. Hein. Ça permet d'avoir la peau toute douce. Ça fait plaisir quand t'as les jambes toutes douces et que tu te glisses dans tes draps là tout propre. Oh là là, mais quel bonheur. Le sixième produit m'a coûté 6,55€ et il s'agit d'un nettoyant visage. Alors celui-ci, ça fait pas énormément de temps que je le teste, je préfère vous le dire. Mais j'ai testé tellement de nettoyants de cette marque sous cette forme que je sais qu'ils sont extra. Et là, de ce que je teste, je vous promets que c'est vrai, je vois une amélioration sur ma peau. Alors que hormonalement parlant, pour moi en ce moment, c'est un bordel monstre. Donc entre le masque et les hormones, ma peau prend vraiment cher. Donc la moindre petite amélioration, je la vois direct. Il s'agit d'une mousse nettoyante Neutrogena, calme ou calmée, curcuma. Extrait de curcuma nettoie en douceur et apaise les peaux irritées par les boutons, peau à imperfection. C'est typiquement le genre de produit qu'il me faut en ce moment. Le curcuma est connu pour ses propriétés antioxydantes et calmantes, enrichies en curcuma. La mousse nettoyante calme curcuma nettoie tout en douceur et apaise les peaux irritées par les imperfections. Elle libère la peau des impuretés, de l'excès de sébum et du maquillage et apaise la peau pour l'aider à retrouver son équilibre naturel. J'adore les nettoyants mousse, franchement c'est trop bien. Donc ça, en plus, système pompe, hyper hygiénique, j'aime trop. Moi je mets deux pompes, clac clac clac, je nettoie, je rince et ça fait vraiment une peau propre. Tu le sens en fait que c'est vraiment propre, ça pique pas du tout, ça sent hyper bon, c'est hyper facile et agréable à utiliser en fait. Donc le matin quand t'as la tête on sait où, et ben franchement c'est pratique. Il coûte vraiment pas très cher pour la contenance puisque encore une fois 6,55€ pour 150ml, donc je pense que ça va me faire un moment. Et je vois déjà une amélioration au niveau de ma peau, je vois qu'il y a déjà moins de boutons qui se forment et surtout au niveau de l'éclat, j'ai la peau bien plus éclatante, elle est moins terne, elle est moins... Si je peux choper de l'éclat à droite à gauche, franchement moi je suis preneuse. Franchement je suis trop contente d'avoir fait cette petite découverte et si vous testez, j'espère que vous serez convaincue par les produits que je vous présente aujourd'hui. Donc si vous testez, vous me direz ce que vous en pensez. Le prochain produit, normalement ça devrait être moins long, celui-ci m'a coûté 8,65€ et c'est un dissolvant bourgeois. Si ça fait longtemps que t'es dans la team, tu sais que bourgeois et moi, bon, disons qu'on a une relation un peu amour-haine. J'ai des produits chez eux que j'adore et il y a des produits chez eux que je déteste. Concentrons-nous sur l'amour aujourd'hui et parlons seulement des produits que j'adore, dont celui-ci qui est absolument incroyable. Je pense que vous connaissez, en gros c'est un dissolvant sous forme de peau, donc dedans il y a une mousse. Et tu sais, c'est les dissolvants, tu mets ton doigt, tu tournes comme ça et ça enlève tout le vernis. Bon là il faudrait vraiment que je le fasse. Et là, en allant faire une petite course, j'ai vu qu'il y avait une version, attention mesdames et messieurs, avec un morceau de mousse dans le capuchon et c'est pour les orteils. Et ça, ça les gars, c'est le bonheur. Parce que moi qui vis dans les valises, tout ça, j'ai bien trop peur d'embarquer un gros flacon de dissolvant là. Parce que s'il s'ouvre dans tous mes fringues et tout, je suis foutue. J'ai enlevé le vernis de mes pieds qui était un bleu où j'avais mis deux couches, plus base, plus top coat et tout, donc il tenait bien bien bien. Et bah je l'ai enlevé en littéralement 2 minutes. C'est hyper simple à utiliser. Version pied, je vous jure, ça change la vie. Et en plus, ça permet d'utiliser beaucoup moins de coton. Le 8ème produit, oh là là, si vous avez vu ma dernière vidéo flop, vous savez que j'ai eu un petit problème corporel de type odeur nauséabonde à cause d'un certain déodorant. Je vous avais du coup demandé dans cette vidéo si vous connaissiez des déodorants sans sel d'aluminium qui fonctionnent vraiment, qui fait qu'on pue pas la mort. Merci pour toutes vos recommandations, j'en ai noté plein, mais la majorité de vos recommandations n'étaient pas dispo en grande surface quand j'ai cherché. Donc je commanderai sur internet, c'est pas si grave. Mais il y en a qui m'avaient parlé de ce déodorant là Mixa et celui-là il y était dans le Carrefour. Il m'a coûté 4,05€ et voilà, franchement c'est validé. Vous-même vous savez que je fais pas mal de sport. On sait tous que faire du sport ça fait puer la mort. En tout cas moi c'est sûr que je sors pas la rose après. Celui-là il est hyper efficace, déodorant 48 heures, apaise et protège, post-rasage, zéro alcool et zéro sel d'aluminium. Trop bien, ça sent vraiment le frais, ça sent propre, mais en même temps il n'y a pas de sel d'aluminium. Encore une fois je répète, les sels d'aluminium c'est vraiment hyper mauvais, surtout pour les femmes, on augmente les risques en fait de cancer du sein. Donc si vous pouvez éviter, évitez. Celui-ci il est vraiment très très bien, je le survalide. Ah, il en a dans le ventre le petit, ouais franchement il en voit. Le prochain produit c'est pareil, je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas parler de ce genre de choses sur YouTube, sur les réseaux etc, ou alors je suis pas les bonnes personnes, c'est pas possible. Et puis dans le rayon je peux vous assurer qu'il était bien en bas, bien derrière. J'ai dû chercher comme ça, je me suis dit mais c'est quoi ça. Déjà ça m'a coûté 2,80€, ce qui est vraiment pas cher. C'est un produit Carrefour il me semble et c'est un shampoing solide pour les cheveux normaux à l'amande douce. Mais vous savez très bien, moi huile d'argan, karité, coco, amande douce, tous ces genres d'odeurs là, vous savez que c'est mes préfs. Un truc comme ça apparemment ça équivaut à 2 bouteilles de shampoing. Déjà ça évite de jeter des bouteilles en plastique tous les mois à la poubelle. Ça te fait 2 bouteilles de shampoing, encore une fois ça m'a coûté 2,80€. Ça sent super bon, l'odeur est absolument incroyable. Ça fait les cheveux tout propres et tout doux. C'est ce shampoing là que j'ai utilisé ce matin
matin pour laver mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, déjà on perd pas en volume. Je trouve que j'ai beaucoup plus de volume avec ce genre de produit. En sortant de la douche, on voyait que j'avais beaucoup de cheveux. Et j'adore ce produit parce que ça fait vraiment, tu sais, le quand tu te rinces les cheveux. C'est tout propre, le cuir chevelu il est propre de chez propre. Il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Moi je me mouille les cheveux, je fais un tour, deux tours. C'est une tectonique de la douche, on adore. Testez-le, vous m'en direz des nouvelles. Le dernier produit c'est un de mes préférés. Franchement en fait tous ces produits je les adore. Je sais pas te dire quel est mon préféré, mais lui, les gars vous êtes tellement pas prêts de ce produit. Non mais achetez-le, je vous en supplie, vous allez me dire mais meuf c'est une révolution. Ce produit c'est un produit Dove qui m'a coûté 5,20€ pour une contenance de 190 ml. Vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de produits. C'est une brume de lait, évidemment à la noix de coco. Donc le matin, tu te laves avec ça, à l'eau de coco. En sortant de la douche, tu appliques ça à la noix de coco. Et ben si tu kiffes la coco, je peux t'assurer que tu vas avoir envie de te bouffer. C'est un hydratant pour le corps. Vous savez que moi je vous dis toujours il faut hydrater son corps, nanana. Surtout quand je fais l'auto-bronzant. Bon là ça se voit que je l'ai pas fait depuis un moment. Mais je vous avoue que des fois bah, j'ai un peu la flemme de m'hydrater le corps. Les baumes et tout, c'est trop bien, ça fait du bien, nanana. Mais des fois ça met du temps à sécher. Les huiles pour le corps, j'adore ça. Mais des fois ça colle aux vêtements. Ça, les gars. C'est une révolution, c'est le futur de l'hydratation corps. Non mais je vous le dis. La brume de lait pour le corps Rituel Nutrition a une formule enrichie à l'huile de coco et au lait d'amande. Mamma mia. Non grasse, elle nourrit votre peau et la laisse instantanément hydratée et douce. Son parfum délicat vous procure une sensation de réconfort, ah ça c'est clair. C'est vraiment une brume, c'est un pur bonheur à utiliser. Voilà. Bon j'en ai déjà mis tout à l'heure mais c'est pas grave, je serai double hydratée. Tu masses ça. Eh, je commence à avoir un bibi hein, quand même, non? J'invente ou bien? Eh quand même hein, non? Bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Comme vous pouvez le voir, ça pénètre directement dans la peau. Ça te laisse pas le côté gras. T'as vraiment plutôt un côté hydraté et doux. Et l'odeur, non mais franchement, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec la noix de coco, mais j'ai une véritable crise, une véritable lubie. Le côté brume, tout ça, franchement, tu fais chi, 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 clac, 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 clac. C'est sec, c'est bon, on est hydraté, on sent bon. En 2 minutes en sortant de la douche, c'est fait. Et je ne comprends pas qu'on n'en ait pas plus entendu parler. C'est déjà la fin de la vidéo, les gars, je suis trop triste. Et bah écoutez mes zizettes, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait trop kiffer d'aller faire mes petites courses, tout ça. De dénicher des petits produits, de vous reparler de produits que j'utilise depuis très longtemps. Franchement j'ai adoré préparer et tourner cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, on n'hésite pas à exploser le compteur des likes. Surtout si vous voulez une version numéro 2. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi en ce dimanche matin. Ou alors si vous la voyez pas exactement à sa sortie. Moi c'était le cas et c'est pour ça que je fais que du blabla. Là j'ai pas envie de vous quitter, vous me manquez déjà, ce n'est pas possible. Si c'est pareil pour toi et que t'as peur que je te manque, rejoins-moi sur Instagram. Sur Instagram, on en dit beaucoup des conneries, mais au moins on se manque pas parce qu'on est tout le temps là ensemble en train de blablater. Avant de partir, les gars, dites-moi quel est le produit qui vous fait le plus envie dans cette vidéo et aussi quel est votre produit préféré, trouvable en grande surface et à petit budget. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao!